Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, messieurs, bonsoir. Nous remercions le Seigneur de ce que nous sommes capables de retourner encore cet après-midi pour nous continuer une série d'émissions que nous avons commencé à présenter sur les grandes doctrines du salut. Aujourd'hui, nous allons finir avec un autre sujet, c'est la rédemption. Pour cela, avant de commencer, nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, à toi seul la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence dès à présent éternellement. Nous bénissons de ce côté avec nous pendant la journée, pour te garder, nous préserver, nos Seigneurs. Et merci Seigneur de ce que bonne opportunité, nous capables de retourner au bout des ondes pour nous capables de rencontrer avec nos frères et sœurs, pour nous capables d'instruire dans ta parole. Parce que tu dis la parole, le peuple mourir faute de connaissance. Et nous demandons que cet esprit capable de guider nos Seigneurs Dieu pendant que nous allons déchiffrer parole pour nous capables de découvrir, Seigneur, toutes les merveilles qui existent là-dedans. Bénis chacun de nous, Seigneur, et bénis les auditeurs et spectateurs. Et fais que nous capables de bien comprendre la parole, mettez-les en pratique et qu'on soit capable de servir pour la vie de jour, de toujours. Bénis, Seigneur Dieu, le directeur de cette station, conduit-le par la puissance de ton Saint-Esprit et accordez-lui grâce au Seigneur, afin que travail soit capable d'aller vers l'avant. Dirigez-nous pour ça, Seigneur, parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. Sujet nous à soi, c'est la rédemption. Rédemption. Vous avez les mots rédemption, rédempteur, racheté. Vous avez sorti nos racines du verbe en latin, redimere, qui signifie sauver, libérer, délivrer. Rédemption ou bien rançon, c'est un prix que vous payez pour capable libérer yon moun soit de l'esclavage ou bien de la prison pour yon dette que l'te contacté. L'Ancien Testament fait nous remarquer que le peuple Israël, bon Dieu t'a racheté li de l'esclavage du péché en Égypte et li appartenait à l'Éternel. Nous disons que le mot redimere signifie sauver, libérer et délivrer. Et bon Dieu t'a appliqué pour le peuple Israël pendant qu'il était en Égypte. Premièrement, Israël t'a sauvé de la mort des premiers-nés en Égypte. Selon Exode chapitre 12, l'Éternel t'a dit Moïse que pour lui faire chaque famille touiller un petit mouton sans tache, sans défaut, et prend sang, passer dans l'into pot caillou. Lorsque ange destructeur ou bien ange exterminateur l'a passé pour la faire dégâts en Égypte, et chaque fois loué sans ça, il passait au-dessus de Caïsar. Et c'est pour ça que les premiers nés des enfants d'Israël ont été sauvés de la mort. Et ange l'a été entré en Égypte, il a tué tout premier né en Égypte. Tout kay qui était gagné, yo chaque gagné yon moun ki mouri ou bien deux moun ki mouri là-dedans. Et même nuit ça, Pharaon était obligé par la puissance divine pour te faire peuple ça quitter le pays d'Égypte. Et c'est ça nous que Israël était libéré de l'esclavage en Égypte. Il était sauvé de la mort des premiers-nés et les libérer de l'esclave de l'esclavage en Égypte. Puisque les premiers-nés des enfants d'Israël ont été sauvés en Égypte par la mort d'un agneau pascal et comme ça ils ont dû racheter à leur tour par une somme que ont payé au sanctuaire selon ça nous voyons dans Exode chapitre 13 verset 11 à verset 15. Et le peuple tout entier était libéré de l'esclavage en Égypte et l'y appartenir à l'Éternel.
selon Exode, chapitre 19, verset 4 à verset 6, Exode 20, verset 2, et Lévitique, chapitre 25, verset 38. Israël t'est racheté, c'est-à-dire, il t'est sauvé, il t'est libéré de l'esclave en Égypte. Mais il y a un autre verbe qui restait, c'est le verbe délivrer. Pendant que Israël était dans le désert, l'a fait route pour le Canaan, il arrivait en face de la mer Rouge. Pendant la face de la mer Rouge, les regardés, ouais, Pharaon a changé l'idée à l'égard du peuple Israël et il poursuit le peuple Israël dans le désert. La plus grande armée du monde à cette époque, et les chars, des soldats qui étaient bien armés, y allaient à la conquête du peuple Israël pour faire retourner de l'esclavage. Lorsque le peuple a été ouais ça, le peuple a été affolé parce qu'il y a la mer Rouge devant eux et mais Pharaon a vint derrière eux. C'était qu'il a dit qu'il était entre l'enclume et le marteau. Son seul monde qui a délivré, c'est Dieu seulement. Lorsque le peuple a crié vers Moïse, by Moïse, dans Exode chapitre 14, Moïse dit peuple à consa, dans Exode chapitre 14, verset 13, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mounsa yo noue kap vini an pa chamwe yo encore. Et dans verset 14, il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et comme ça, l'Éternel te dit Moïse, levez bâton sur la mer. Et Moïse levait bâton sur la mer et la mer était fendue en deux et le peuple Israël était traversé. Lorsque Pharaon étant endurci, lui voyait un tel miracle, l'allait pour entrer dans la mer à tout. Le peuple Israël était sorti et l'armée Pharaon était dans la mer, était dans la route là pour la poursuivre Israël. Et c'est comme ça l'Éternel te dit Moïse, retourne bâton encore. Et comme ça bloaté, englouti tous les Égyptiens. Et c'est ça, Israël te délivré de la présence des Égyptiens. Il te sauvé de la mort des premiers-nés, il est libéré de l'esclavage de l'Égypte et qu'il a délivré de la présence de l'armée de Pharaon. Et la Bible en montre non que lorsque un Israélite devine pauvre et l'ité vend ti propriété que le gagne, plus proche parent Israélite ça, li ki gen droit de rachat, c'est-à-dire pour le reprendre terrain ça pour le payer un prix pour lui. Et l'ité capable de venir intervenir pour l'en libérer terrain ça demain nan même moun nan yo ta racheté là. On cap voyon exemple de rédemption ou bien rachat ou bien rançon. Par exemple, on doit retourner en Haïti. Ou ta gen yon monte ou achete yon monte là pour $200. OK? On belle monte qui coûte $200 ou bien $500 quelconque. Et puis ou gen yon nan petit garçon qui prend monte ça kou li a monsieur besoin $50 al pa joine kon yal prend monte nan la mete l nan plan. Et monte ça li ka perdu si met li pa vinn réclamer. Ou même étant père ou vinn konn ça kou li a wale côté yo te plané monte là ou payer pour monte ça et ou retirer monte ça nan maison d'affaires que te ya nan bric-à-brac là. C'est-à-dire ou libérer, retirer monte ça côté le TIA mais ou payer un prix pour lui, c'est ça nous relait la rançon. Et la Bible dit nous comme ça que lorsque un peuple israélite pauvre en pile il vend tête comme esclave à un monde qui riche, plus proche parent pauvre ça t'es qu'à aller côté monde dans te vend tête li a il paye un prix qu'on y a libéré Mounsa de cet esclavage. Selon ça, nous jouons dans Lévitique chapitre 25, verset 47 à 49.
Nous avons une belle histoire dans la Bible. C'est l'histoire de Naomi et Ruth que nous joignons dans le livre de Ruth. Ruth, la Moabite, était mariée avec une petite Naomi, comme nous avons une histoire là. Lorsque Naomi était apprendre que bon Dieu était béni, Bethléem, et qu'il allait retourner dans le pays. Mais Marie Naomi était mourie. Deux petits garçons que l'était gagné Maclon et Kiljon, ils tous les deux étaient morts. Et deux petites sœurs étaient mariées avec Yon, étaient mariées avec Naomi, avec Ruth, l'autre là était mariée avec Orpa. Lorsque Naomi dit que la retourne dans le pays, elle dit des belles figures comme ça, nous mettre rester dans le pays non parce que nous pas gagné petite et nous étaient mariés. Nous avons besoin d'un monde qui veut marier ensemble avec nous. Et Orpa est retourné dans le pays. Mais Ruth te dit Naomi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Il t'est attaché à Naomi. Lorsque Naomi arrivait dans le pays Bethléem, et que Ruth, parent, Naomi te gagne un petit morceau de terre qui t'est resté pour lui, et qu'il y a, il t'est besoin d'un monde. Pour Naomi te marier ensemble avec lui. Comme la Bible parlait de droit de rachat, que nous joignons dans en Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 5, il dit, lorsque un monde te mourit, un monsieur qui mourit, et il pas quitté madame ni, madame n'a pas gagné petite, plus proche parent que le gagné, t'a doué marier avec femme, ça, avec belle fille, belle sœur là, et pour le Bali yon descendant et c'est comme ça plus proche parent t'a dû marier avec belle-sœur et lorsque situation arrivée t'es gagné yon qui était plus proche parent de Naomi et il était refusé marier avec Ruth mais t'es gagné yon grand propriétaire terrien yon les Boz et Boz t'est accepté parce que t'es parent Naomi. Il était accepté pour le marier avec Ruth et il était racheté morceau de terrain ça. Et nous connaissons belle histoire de Naomi et de Boaz selon Ruth chapitre 4 verset 1 à verset 10. Et moun qui rachetait il faisait office de rédempteur. Le mot rédempteur c'est celui qui rachète. Rédemption c'est action de racheter. Et rançon, c'est le prix payé pour racheter yon monde. Et n'a pas le temps de yon musique, c'est rédempteur adorable sur la croix attachée. C'est Jésus-Christ qui est notre rédempteur. Bye.
Oui, nous entendons une belle musique, rédempteur, adorable, sur la croix attachée. Question qu'on va poser tout tour, comment un rédempteur qui méritait adoration, et puis il cloué sur une croix qui est le symbole de la malédiction, seulement pour être capable de racheter nous de péché, pour être capable de racheter nous de la mort éternelle. Le Nouveau Testament lui présentait Jésus-Christ comme le Rédempteur. Et c'est comme ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il était venu pour te bailler la vie comme un rançon pour un pile monde. Et que l'œuvre de Jésus-Christ lui présentait comme une rédemption, selon sa nouvelle dans Luc chapitre 1er. Verset 68. La Bible fait nous connaître que nous tous, nous sommes esclaves du péché. Parce que c'est le péché qui a dominé nous avant de nous rencontrer avec Jésus-Christ. Nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves de la mort. Parce que nous sommes morts spirituellement. Et ça qui est réservé pour nous, c'est la mort éternelle, si nous n'avons pas rencontré avec Jésus-Christ. Nous sommes esclaves de la loi. Et Jésus-Christ est gratuitement justifié nous par sa grâce, par le moyen de la rédemption que nous joignons dans lui-même. Comment dit-on que chacun de nous a une dette? Dette ça nous t'est contacté dans le jardin d'Éden. Depuis que Adam t'est fait péché, le péché entré dans le monde, Adam t'est mort spirituellement parce que il était perdu contact avec Dieu et il légué dette ça à chacun de nous. Ça fait la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour payer dette ça parce que nous-mêmes nous pas de cap payer. Mais question qui posait, à qui cette rançon a-t-elle été payée? Est-ce que c'est à Satan? Non. Parce que Satan n'a aucun droit légal contre le pécheur. Et il n'a pas besoin aussi pour payer pour l'Éternel libérer nous du péché. Parce que lorsque un monde vient accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, l'Éternel s'est râlé, il retire dans mes Satan. Alors, bah, Satan n'a pas payer pour ça. Mais à qui cette rançon a été payée? C'est à la justice de Dieu que dette ça a noté douille, et c'est à la justice de Dieu que dette ça a doué éliminé ou bien annulé. Mais on va poser cette question, mais comment Dieu pour le payer dette là à lui-même encore? Dans l'étude que nous avons fait sur la justification, nous montrons que Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne prend pas innocent pour coupable. Il ne prend pas coupable pour innocent. Mais nous-mêmes qui étant pécheurs, nous avons mérité la mort éternelle. Mais pour sauver l'humanité, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a accepté une mort ignominieuse. Une mort de malédiction à la croix, afin qu'il soit capable de payer à la justice de Dieu cette dette. Et nous rappelons que nous avons une illustration montrant que, supposons que il y a un jeune garçon qui commet une faute dans la vie, faute grave, qui méritait soit 10 ans de prison,
ou bien lui payer $10,000 comme amende. Mais jeune garçon ça arrivé devant le juge, et qui est-ce qui juge là? C'est papa monsieur qui juge. Étant juge, il doit prononcer jugement. Il n'est pas qu'à libérer jeune garçon ça parce qu'elle est petite lui. Parce qu'elle est injuste. Mais selon la justice, jeune garçon ça doit payer $10,000 ou bien lui prend 10 ans de prison. Mais à cause de l'amour que papa a gagné pour jeune garçon ça, il pas ta remet jeune garçon ça à la prison. Papa t'est obligé payer $10,000. Et lorsque le fin paye $10,000 ça, pas gagne rien qui capable empêcher papa de libérer petite là parce que la justice a été satisfaite. Prix que le gagne pour le payer, il satisfait coulier. Coulier cap manifester amour envers petite ça pour libérer. Et c'est ça que bon Dieu lui fait pour nous. Bon Dieu tellement aime le monde, c'est ça qu'il dit dans la Bible dans Jean 3 verset 16, qu'il a donné son fils unique et prend sang passer afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors amour de Dieu lui marchait même côté avec justice de Dieu. Bon Dieu pas capable sauver l'homme pour son bon plaisir comme ça, il faut que la justice de Dieu te satisfait. Et pour que justice de Dieu te satisfait, Jésus-Christ est obligé d'accepter la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi le mort spirituel qui frappait Jésus à la croix. Rappelons que lorsque Jésus à la croix, péché te couvrit Jésus par ténèbres pendant 3 heures de temps. Et le ça, l'Éternel t'est viré d'eau by Jésus, c'est-à-dire, il y a un break qui t'est fait dans la relation entre le Père et le Fils. Il y a une fissure qui t'est faite entre le Père et le Fils. Et c'est alors que Jésus t'est crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et immédiatement, la relation t'est venue reprendre. C'est-à-dire que Jésus t'est connu la mort spirituelle, c'est-à-dire une séparation qui t'existait entre lui-même et le Père. Et pour cela, Jésus mourit pour le capable de sauver moi-même ensemble avec vous. Et nous est d'être péché ça, l'été bail à la justice de Dieu. C'est à la justice de Dieu que nous sommes doués d'être ça et que d'être ça, il doit annuler. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, tout péché que vous commettez auparavant, tout péché ça, le sang de Christ efface parce que Jésus-Christ est le rédempteur. Il a payé le prix, la rançon que nous-mêmes nous sommes doués payer. Et puisque le pays prie à Koulia, sans Jésus, il y a toute efficacité pour laver péché ça. Et Koulia, dette là, l'y annuler. L'y annuler. Et comme ça, nous avons un chant, nous dit, je n'ai moins pas gain pour nous craindre encore parce que péché nous est effacé et tout ça nous est annulé. Toute dette nous est annulée. Je n'ai plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. Dette ça, il est payé pour moi-même ensemble avec toi. Et il y a un auteur qui dit comme ça que la miséricorde de Dieu rachète l'homme à la justice de Dieu. Amour que mon Dieu gagne pour nous, il rachète nous à la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu, nous tous sommes trouvés condamnés. Mais puisque Jésus-Christ paye et pria, qu'il n'y a pas qu'à condamner encore, les racheter nous, parce que le pays prie pour nous. N'a pas le temps d'avoir l'autre musique, c'est « Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. » Tu payas mon salut. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais, et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi.
Oubliez, chers amis, que vous suivez l'émission ça, que nous avons développé pour sur l'écran doctrine de la Bible. Moi-même, c'est Pasteur Wilson Morissin, pasteur de l'église Baptiste à Biraka, qui est situé dans le numéro 344 Emerson Drive, Pembe, Florida. Pour point de contact, nous sommes capables de téléphoner sur quelques questions à propos de l'émission. Vous pouvez rejoindre nous dans 321-261-1408. Et moi, c'est Pasteur Wilson Morissin de l'église Baptiste Biraka. On se dit que c'est à la justice de Dieu que d'être ça l'été doué. Et c'est la justice, c'est d'être ça les besoins annulés. Et Christ est annulé. D'être ça pour nous à la croix, parce que la miséricorde de Dieu l'y rachète l'homme de la justice de Dieu. La Bible enseigne nous que nous sommes rachetés par la mort de Christ. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et l'y ressuscité pour notre justification. Nous rachetés par la mort de Christ. Nous rachetés de quoi? Nous rachetés de la peine de la loi. Comme l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3 verset 13, nous rachetés de la malédiction de la loi, parce que Christ étant devenu malédiction pour nous. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous rachetés aussi de la loi même, puisque nous sommes morts à la loi par le corps de Christ. Selon Romains chapitre 7 verset 4, de sorte que Kouliéa nous pas sous la loi encore, mais nous sous la grâce. Parce que la loi pas qu'à condamner nous. La Bible nous dit que la loi c'est un coup. Il y a un gérant qui mène nous à Christ. Immédiatement nous rencontrer avec Christ,
nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Selon Romains chapitre 6, verset 14. Nous rachetés par la mort de Christ du péché qui en puissance. Par la mort de Christ, nous mourir au péché et nous mourir aussi avec Christ. Romains chapitre 6, verset 2 et verset 6. Tite chapitre 2, verset 14. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. De sorte que nous pas gagnons pour nous soumettre nous en bas domination péché. Et ça le dit dans Romains chapitre 6, verset 12 à verset 14. Non pas en bas domination péché encore. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous-mêmes puisque Christ déjà payé dette péché. Lui retirez-nous de la condamnation du péché. Lui sauvez-nous de la mort ou bien de la condamnation du péché. Lui libérez-nous de l'esclavage du péché. Non pas esclave péché encore. Ce n'est pas péché qui vous domine la vie, non. Mais nous sommes justifiés et sanctifiés par Dieu. Et nous rachetés aussi de Satan qui quimbait l'homme, qui te quimbait l'homme en captivité. C'est-à-dire, le quimbait l'homme dans l'esclavage. Satan te quimbait l'homme dans l'esclavage du péché. Selon 2 Timothée chapitre 2, verset 26. Et par la mort de Christ sur la croix, Christ, libérez-nous de l'esclavage du péché. Retirez-nous en bas main Satan. Rachetez-nous en bas main Satan. Selon Hébreux chapitre 2, verset 14. Et nous encore, l'Éternel rachetez-nous de tout mal, aussi bien physique que moral, y compris notre présent corps mortel, selon Romains chapitre 8, verset 23 et Éphésiens chapitre 1, verset 14. Pour cela, nous devons livrer nous sans réserve à Mounsa qui crée nous et qui rachète nous. C'est-à-dire à notre rédempteur, à notre sauveur, notre créateur et notre rédempteur. Puisque Jésus-Christ rachète nous, même Jean Noé dans l'Ancien Testament, Dieu t'a racheté le peuple Israël et le peuple Israël t'est appartenu à Dieu. Dieu fait le tourner un peuple acquis, un peuple exceptionnel. Et puisque l'appartenu à Dieu, il n'a pas qu'à faire n'importe quoi. Il en est de même nous-mêmes aussi, puisque Jésus-Christ racheté nous par sa mort. Il rachète nous de la puissance du péché, il rachète nous de la loi, il rachète nous de Satan, il rachète nous de tout mal, etc. Qu'il y a nous pas appartenir à nous-mêmes encore, parce que nous appartenons à Dieu. Puisque Dieu, Jésus-Christ, est le rédempteur, c'est-à-dire il rachète nous, le paye rançon, le paye prix que nous avons payé par sa mort à la croix. Et qu'il y a nous-mêmes à notre tour, nous pas appartenir à nous-mêmes, mais nous appartenir à Dieu.
Et pour cela, nous n'avons pas faire n'importe quoi bagaille avec nous-mêmes, avec nous. Parce que nous t'es racheté à un grand prix. Un prix inestimable, ou pas qu'à payer. Selon ça, nous venons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 et verset 20. En toute foi, si nous avons dès maintenant la rédemption de l'âme, mon Dieu, rachetez-nous de toute malédiction du péché. Lui sauvez-nous de la mort. Lui libérez-nous de l'esclavage du péché. Mais cependant, c'est non qui sauvez. Lui sauvez non. Par sa mort, les racheter, non, par sa mort, mais qu'on, pour qu'on racheter. N'attend encore la rédemption de notre corps, selon Romains chapitre 8, verset 23, et rédemption, ça nous va joindre à la résurrection. Lorsque nous allons ressusciter, le grand jour de la résurrection, ça nous joint dans 1 Corinthiens chapitre, chapitre 15, à partir du verset 52, à continuer, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous parler de l'enlèvement de l'Église, les dit les morts en Christ. Ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés tous ensemble avec lui. Et lorsque nous va recevoir la rédemption de notre corps à la résurrection, laisse ça, pas bien maladie encore. Pas bien COVID-19 qui a ravagé le monde encore. On va faire attention. On va faire sucre, on va faire cholestérol, on va avoir une crise cardiaque encore, on va avoir un problème dans le cœur, on va avoir tête fait mal pour prendre tailler nol et l'autre comprimé, etc. pour tête. Et là, ça va pas avoir souffrance encore. Pour aller à l'hôpital. Quand tout le monde a souffert actuellement, pas avoir cancer encore. Pas de sida encore. Pas de maladie. Pas de souffrance. Pas de la mort. Et le ça, nous va gagner une rédemption éternelle. Selon Hébreux chapitre 9. Verset 12. Laisse pas de souffrance encore. Ou pas de grand goût. Ou pas de nu. Ou pas de loyer. Ou pas de payer. Ni mortgage encore. Parce que lorsque vous mourrez, toute bille que vous avez gagné est tout annulé. Ou pas peut-être chargé pour qu'on ait comme moi payer bille. Ou pas rien pour lever ma grand matin pour aller travail. Ça qui dans le nord des États-Unis, malgré la neige, malgré la pluie, pour aller travail, le ça. Ou pas bien ça encore. Le ça, on va gagner une rédemption éternelle. Et nous devons louer pour toujours Jésus-Christ et racheter nous par son propre sang. Et racheter nous de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et
et de toute nation. Et nous sommes capables de dire gloire à Dieu de ce que tout péché nous a allé. Jésus qui a payé tout péché sur la croix. Et si toutefois, pour qu'on connaisse Jésus-Christ comme sauveur personnel, n'a pas le passé en dernière musique pour regarder à m'angoisser au mourant du calvaire. Regarde à Christ sur le bois attaché. Et examiner la vie. Pour un grand monde qui était payé pour péché. Et avant ça, vous êtes capable de remettre la vie. Tu ne peux effacer par ton sang, par tes larmes. Quel que soit l'effort que vous faites, vous n'êtes pas capable d'effacer la peine de vos péchés. Mais bon Dieu lui-même, dans l'amour, il te fait pour vous. Il te paye la rançon par la mort de son fils Jésus. Et c'est un seul bagage que vous êtes capable de faire à soi. C'est remettre la vie entièrement à Jésus-Christ. Et c'est seul lui-même qui a racheté de l'humanité déchue. Il a racheté de la puissance de Satan. Il a racheté de la puissance de la loi. Il a racheté de la puissance du péché.
et le sang ou pas condamné encore parce que Christ a déjà payé le prix pour vous. Nous bien contents de ce côté ensemble avec nous dans l'émission ça que nous avons présenté le sujet la rédemption, comme on dit, rédemption, rédempteur. Rédemption, c'est action. Rédempteur, c'est celui qui rachète, le racheter, et c'est délivrer, les sorties dans le verbe latin, redimere, qui signifie sauver, libérer et délivrer. Et nous jouons une rançon, c'est prix qui paye. Et Jésus qui a payé prix ça à la croix pour vous. Et comme on dit, non, moi c'est pasteur Wilson Morissin de l'église Baptiste Abiraka. Vous êtes capable de visiter nous dans 344 Emerson Drive, Pambé, Florida. Service a commencé, école dominicale a commencé à 10h et service d'adoration a commencé à 11h15. Et là, nous prêchons Jésus-Christ, le seul espoir de l'humanité. Nous bénissons le Seigneur de ce côté. Tendez-nous et passons un petit temps ensemble avec nous pour tendez-nous et nous espérer que l'émission ça va apporter en pile bénédiction pour nous. On nous prie le Seigneur. Nous bénissons Seigneur de ce que présence ou t'es avec nous. Ou t'es ban nous possibilité nous t'es présenter programme ça. Bénis chaque monde qui t'a tendé Seigneur et permettre que qu'on font bon dépôt dans la vie. Et ça pour qu'on est nous qui t'a tendé. Alors que cet esprit aussi Dieu a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et à soi même, Dieu est capable de remettre la vie à vous-même. Bénis-nous comme ça, Seigneur, et fais chemin avec la émission ça pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, nous sommes bien contents d'être côté ensemble avec nous. Et qu'il y a un moment arrivé pour nous dire au revoir et que Dieu vous bénisse. Par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en